Bonjour, je suis Graham de Beauchet de Bourgogne. On va faire encore un tour à l'intérieur de ce Haynes 400, cette fois-ci sans moteur et un peu plus débarrassé que la dernière vidéo. C'est vraiment lumineux ici, c'est énorme cette store du toit. On peut l'occulter, laisser complètement ouvert ou tirer le moustiquaire. Avec 1,90 m de hauteur sous barreau et toute cette lumière, on est vraiment un sentiment de bien-être ici, surtout avec la chaleur de ce bois couleur miel. De qualité définition. Alors, on est sur la version double cuisine, donc cuisine à bâbord et cuisine à tribord. Four grille SMEV, le plaque également SMEV, trois feux gaz. Malgré le fait qu'il est de 2012, qu'il a déjà fait les côtes de l'Italie, l'Espagne, la France et les canaux en France, il a l'air presque neuf. Bon. Lave-linge. Bien équipé pour des longues, longues croisières. Une toilette à l'avant, accessible depuis la cuisine et le salon. Mais on va voir tout à l'heure, également accessible depuis la cabine des invités. Cabine des invités bien plus somptueuse que pas mal de cabines de propriétaires que j'ai vues. Même thème que dans le salon. Alors, il y a 1,95 m de hauteur sous barreau ici. Le lit fait 1,80 m par 1,30 m max. Douche attenante, là, il y a 1,95 m également de hauteur. On est bien à l'aise. Très stylé. Et voilà l'accès depuis la cabine des invités, l'accès aux toilettes. C'est de qualité, mais c'est très pratique. Là, sous le banquet à tribord, vous avez encore un lit. Qui se déplie. C'est un home cinéma Sony, l'atelier également Sony. Ça complète les équipements de qualité. Donc la cabine des propriétaires, avec son lit de 1,90 m par 1,45 m maximum. Et 1,98 m de hauteur sous barreau. Ici, toilette, douche attenante pour les propriétaires. Il y a un cuva au noir, deux cuvas au noir, donc un pour chaque WC. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je suis Graham de Budget Bourgogne. Toutes mes coordonnées figurent sur cette page d'information, budgetbourgogne.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.